Voici les captures d'écran de Dorothée Barba et ça se passe sur le canal 19 de la TNT pour votre conseil télé du jour. Oui, sur la chaîne éphémère lancée lundi par France Télévisions, elle s'appelle Culture Box. Sa mission est de combler notre manque de spectacles vivants et de soutenir le monde de la culture. Elle occupe en effet le canal 19 qui a été libéré par France O l'été dernier. Daphné Burki et Raphaël Yem sont les deux visages de Culture Box. Ils animent tous les soirs une émission avec des invités à 20h10. Et ensuite, autour de 21h, un spectacle est proposé. Aujourd'hui, c'est un concert inédit, encore jamais diffusé à la télé. Il le sera de nouveau vendredi soir sur France 5. Mika à l'Opéra Royal de Versailles. Un concert enregistré en décembre dernier devant un public restreint, masqué, mais dans un décor exceptionnel. Mais l'Opéra Royal, c'est celui qui se trouve dans le château de Versailles. Une salle sublime construite il y a 250 ans. D'ailleurs, elle devait fêter cet anniversaire avec Fast tout au long de l'année 2020. Autant vous dire que rien ne s'est passé comme prévu. Mika s'offre ici l'occasion de rappeler qu'il vient de la musique classique. Ce chanteur pop à la voix de tête a étudié au très prestigieux conservatoire de Londres, le Royal College of Music. Ses chansons ont ici été réarrangées pour l'orchestre de l'Opéra Royal. C'est un spectacle unique, acoustique, intimiste. Ses tubes bien connus, accompagnés au piano, au violon ou même avec un chœur de gospel, prennent un autre visage et le temps s'arrête quand Mika interprète Without Her, chanson de Harry Nilsson, accompagnée par Gauthier Capuçon au violoncelle. I spend the night in the chair thinking she'll be there, but she never comes. And then I wake up and wipe the sleep from my eyes and I rise to face another day without her. Can't go on without her. There's no song without her. L'instrument et la voix sont à égalité. On croirait un duo entre le chanteur et le violoncelle. Mika porte une chemise blanche à jabot sous une veste noire. Il change ici de registre, hein, clairement, mais il garde sur scène une énergie très pop. Il est habité, il est radieux, il est surtout visiblement très ému, hein, de ce retour sur scène. Il parvient même à dérider le public versaillais impressionné par le décorum. Relax, take it. Vous êtes très baisé, très élégant ce soir, mais presque trop élégant ce soir. Mes chers amis de Versailles, c'est votre dernière chance de chanter dans cette salle. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que sinon tout le monde à la maison va vous regarder et vont dire oh mince, ils sont cons quoi. Si moi j'étais là-bas, eh ben je chanterais. Vous êtes prêts? C'est un concert exceptionnel, mais surtout ça console, ça requinque, ça donne la chair de poule. Culture Box fait un bien fou. Alors on ne sait pas combien de temps durera cette chaîne éphémère, évidemment, hein. Ça dépendra des conditions sanitaires et de la résurrection espérée du spectacle vivant. Alors aussi absurde que puisse sembler cette phrase, cette chaîne est très chouette, mais vivement qu'elle s'arrête. Mika à l'Opéra Royal de Versailles, c'est ce soir à 21h sur Culture Box, donc Canal 19, ou sur le site internet de France Télévisions. C'était la capture d'écran de Dorothée Barba.